Je suis Étienne Giroux le Prieur, je suis professeur de pneumologie à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt et au sein de l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Mon rôle pendant la crise du Covid en tant que pneumologue hospitalier, ça a été l'accueil des patients en première ligne atteints de Covid-19. Et on a eu un afflux massif de patients sur l'hôpital et très rapidement, le service de pneumologie a été 100% unité Covid. L'arrivée massive de ces patients a eu un impact important hein, sur l'organisation du service. Il a fallu quand même essayer de dégager des lits, quelques lits au sein d'autres unités de l'hôpital pour continuer à accueillir les patients non Covid qui continuaient d'arriver. Et puis, on a dû réorganiser la prise en charge de nos patients. On a une grosse activité d'oncologie thoracique dans le service. Et donc ces patients, il a fallu adapter leur circuit indépendamment et en parallèle du circuit Covid, et notamment en hôpital de jour, avec un circuit dédié, des précautions particulières, pour assurer au mieux la prise en charge de ces patients. La prise en charge des patients Covid a été inédite, hein, puisque c'est une nouvelle maladie, et donc on a dû apprendre à gérer ces patients lourds, et tout en continuant d'apprendre l'histoire naturelle de la maladie, tout ça en étroite collaboration, notamment avec le service de réanimation, et le service des urgences. Cette prise en charge particulière des patients Covid a nécessité des mesures strictes d'hygiène, hein, avec les mesures barrières bien évidemment, mais renforcées pour ces patients, avec des tenues spécifiques pour ces patients, de protection. Ce qui a vraiment aidé dans la prise en charge de ces patients, c'est encore une fois l'implication de chacun et la solidarité qu'il y a eu entre tous les acteurs finalement qui prennent en charge les patients, donc les médecins, mais aussi l'équipe paramédicale, infirmiers, soignants, kinés, etc. Face à un virus inconnu, parce que c'était quand même une nouvelle maladie, ça a été relativement inédit et puis un peu stressant au début, hein, parce que c'est des patients souvent lourds, souvent avec des gros besoins en oxygène, fragiles, précaires, et donc il fallait agir vite, au mieux, tout en essayant finalement d'apprendre et d'adapter notre prise en charge au fur et à mesure des nouvelles connaissances qui arrivaient tous les jours. Hein. Mais l'avantage qu'on a au sein de l'hôpital, c'est qu'encore une fois, on est une équipe soudée, donc on n'est pas seul face face aux patients, et donc encore une fois, cette solidarité qu'il y a eu entre tous les acteurs au sein de l'équipe a permis de faire face au mieux face à ce virus inconnu.